Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur A Plague Tale Requiem. Bon, désolé pour mon accent. Alors, je pense que vous l'entendez déjà quand j'ai fait la vidéo de Scorn, j'avais le nez dans un état pas terrible. Là, c'est encore pire. Et en plus, j'ai la gorge qui commence à me gratter. Donc, j'ai fait le maximum, hein. Je me suis débouché le nez au maximum avant. J'ai bu un lait miel. Je vais aller chercher des trucs pour la gorge, je pense, aujourd'hui. Mais écoutez, on va se faire ça. On va accepter. C'est quoi ça? Collecter certaines données d'amélioration. Non. Sur la capture, ça donne quoi? Ouais. On va regarder dans les options ce qu'il y a au niveau de difficulté, on va laisser normal. Gameplay, machin, ok. Langue français, langue des voix français, ça c'est bien. Là, on a le réglage du HDR et les flous de mouvement. Ok, on va rien toucher, on va laisser comme c'est. Et on va y aller comme ça. Donc celui-là, ouais, bah oui. Il me repropose les réglages, donc... Le premier, je l'ai pas fini, j'ai joué un petit peu. J'y ai joué sur Series X en plus. Là, on est sur la version Series X encore qui est dans le Game Pass. Mais celui-là, il est développé une nouvelle génération. Donc déjà, c'était plutôt beau. Donc là, j'imagine ce que ça va donner quand même, hein. On va se regarder cette cinématique tranquillement. Et on est sur une découverte. Hein. D'être fatigué. Il faut que je retourne à mes études. Oh, fais un effort. Le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Sois fort, sorcier. Le combat est loin d'être terminé. Ah, on prend la manette. Alors après, on se retrouvera en fin de semaine pour... pour Gotham. Oui. Alors c'est beau. Très très beau. Par contre, c'est du 30 images secondes. J'espère que la capture va bien rendre. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu pâle sur la capture. Je sais pas si je peux modifier pendant que ça enregistre. Je suis pas sûr. Donc on va pas prendre de risque. Bon, on est sur du 30 images secondes. J'ai l'impression. Hein. C'est moi qui suis comme un bœuf. C'est bon pour toi. Par contre, ouais, c'est plutôt beau, hein. On va pas se mentir. J'adore ton nouveau chez toi. C'est un château. D'accord. Lucas le perfide attaque mon château. Oui, et je vais te transformer en scarabée. Amicia, il est trop fort. Il faut qu'on se cache. Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo et... Amicia l'Amazone. Évidemment. Alors maintenant, filez! Viens, Amicia l'Amazone. On doit trouver une bonne cachette. Je serai à vos côtés, Majesté. On est évidemment là, on va être... N'oubliez pas de respirer, mon roi. Bien, gardons-le à l'œil maintenant. Oui, on bougera. Il arrive, il arrive. Merde. Je jure que je ferai un ragoût avec vos doigts de pied et que je le mangerai. Il est horrible. Vous êtes plus...
Je vous trouverai de toute façon. Je sais pas si c'est là qu'il fallait que je me cache. Il y avait peut-être mieux à faire. Après c'est un tuto donc tout est fait pour qu'on y arrive. Hein. C'est divine. T'as eu une sacrée pousse. Bien, bien. Bon, je dois repartir étudier maintenant. Lucas. Écoute, si je veux devenir alchimiste. Mais tu es déjà un alchimiste. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Bien. À plus tard. Viens, allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon roi. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans Allez. Lui, on ne serait pas ici. On va y aller gentiment. J'espère que la capture donnera bien, mais ça n'a pas l'air mal. Après, c'est peut-être un petit peu... Il y a peut-être un petit peu trop de luminosité. Vas-y. Mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Mais Oui, bien sûr. Ça a l'air d'aller. Le roi patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Mon royaume. Est-il prospère? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière. C'est la mer. Patrouillons par là. Bon, ça commence gentiment, c'est pas plus mal. Comme ça, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Très joli. Et c'est beau, hein, putain. Alors ? Mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière ? Oui. Pourquoi pas ? Attention, Amicia, l'Amazone ! Navire ennemi en vue ! Ils vont nous attaquer ! Oh non ! Qu'allons-nous faire ? Reste à la frontière, écoule-les avant qu'ils passent. Retourne à ton poste, Amicia. Derrière D'accord. la branche. Ma puissante fronde est vôtre. L'armée du sorcier est en route. Je les vois. Nous sauverons votre royaume, majesté. Hop, la fronde, comme dans le premier. Oui, continue. Voilà d'autres bateaux. Bon, il y a un autoloc, là. Ne souillera pas ce royaume. Que de la bonne magie. Oui, le roi applaudit. Qu'ils viennent, je les écraserai. L'envahisseur était en nombre. Mais nous l'avons repoussé. Parce que nous sommes la maison de Rune. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Je passais par ici et j'ai entendu la sonde. Oh, c'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander, je peux jouer avec vous? Oui, mais qui es-tu? Je m'appelle Tona, j'habite dans le coin. D'accord, nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona? Évidemment que je sais. Chouette. Je suis le roi et elle, c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Moi, je tirerai avec le canon. Alors, engageons le combat. Quand il va nous jeter des caillasses. Wow. Boum. T'es forte. Et je vive encore. Et je continuerai à les couler. Nos défenses sont trop solides pour eux. Soldat Tona, arrivez à tirer avec le canon. Ça passe, hein? En même temps, l'autre là, il vise que dalle. Il a raison, c'est la guerre. J'ai du travail. Du travail? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien? Je dois y aller. Salut. Bon courage. Au revoir, Tona. Lui, à mon avis, s'il retourne pas à la ferme travailler, il va se faire défoncer par Allez, son père. En route, Majesté. La guerre est finie. Suivons le cours de cette rivière. Tu en as coulé des tonnes. Bravo, capitaine. Et Tona était gentil. Oui,
c'est vrai. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûre? Dès qu'on saura comment tu vas. Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois, c'est différent. Je le sais. J'espère. On va devoir grimper. Cette fois, c'est toi qui me hisse. Quoi? Je plaisante. Je vais t'aider. Et puis ta barre, t'es trop lourde. Oh, comment oses-tu? Un jour, je pourrai le faire. Ah bon, là, on retrouve toutes les commandes qu'on avait dans le premier. Hein. C'est un peu une coop entre les deux persos. Hein. Qu'en dites-vous? On l'attaque? D'accord. Je suis prêt. Maintenant, chargez! La porte est fermée, capitaine. On fait quoi? Laissez-moi voir. Il est fou, ce gamin. T'as remarqué, il est comme beaucoup de gamins aujourd'hui. Hein. Moi, le mien, il est increvable. On va se faufiler. Oui, c'est un bon plan. Oh, je sens le mal tout autour de nous. Il fait un peu noir ici. Allez, mon roi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Ouais, bah, le mal, on va peut-être vraiment le croiser au bout d'un moment. Les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai? Oh. Tu t'es fait mal? Non, mais je veux rentrer maintenant. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Amicia, il y a des habits et à manger. C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Soyons prudents pour l'instant. Tu sens ça? On dirait une cheminée. Quoi? Tout est brûlé. C'est récent. Ces paniers, ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées? Je ne sais pas. Pas un bruit. On s'en va. On se tire parce que ça sent pas bon. C'est un accident. Où sont les habitants? Je vous laisse beaucoup les dialogues et tout, hein, parce que pour le coup là, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Bon bah on va courir hein. On doit sortir d'ici. La porte. Oh non, non. Viens. Là. Il nous suit toujours. Cherche un moyen de sortir. Par ici. Il ne nous suivra pas. Allez. Merde, on peut pas passer par-dessus là. Faut que j'aille de l'autre côté en fait. Avant de partir du mauvais côté, je pense.
c'était quoi? Non! Attrapez! Bon sang! Attrapons-les dans les hauteurs! Mauvaise idée, hein. Merde, c'est pas par là qu'il fallait aller, bon bah... c'était pas par là. Mais je trouvais ça bizarre aussi. Bah c'est pas grave, on va recommencer. Ouais, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie ça. La boîte à outils. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'ils viennent ici. Je te le dis. On n'a pas besoin de tous les tuer. Pauvre cinglé. Du calme. J'avais juste besoin de boulot. Ah. Encore quelqu'un qui se cache? Va-t'en, on se dépêche. Je sais pas s'il fallait que je parte aussi loin. On retourne à la charrette et on s'en va très loin d'ici. Maman va être très en colère. On lui dira rien. On partira dès qu'on arrive à la charrette. Il est où ce petit merdeux? Tu devais monter la garde. C'est ta faute tout ça. Il va falloir qu'on grimpe. Ouais, je vais le dire. Est-ce qu'il faut qu'on grimpe? Amène ton cul ici! Tout de suite! Je veux te démolir! Oh non, c'est la maison de Tona! Peut-être qu'il n'est pas encore rentré. J'espère. C'est fait pour quoi là? Pour qu'il ne nous voit pas ça? Des fois, on sait pas trop si c'est fait exprès ou pas. Allez, on se casse vite. Il a failli nous voir. Oui, il faut qu'on fasse plus attention. D'accord. Ils sont beaucoup, hein. Il faut atteindre cette porte. Je dois détourner son attention. Ouais, Tonin. Je vais m'occuper de son cas avant que le père s'en charge. Oh, il doit se planquer quelque part. Ouais. Ça branle. Comment on peut lui détourner son attention? On peut rester planqué quand même ou...
Merde. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, je les vois plus. Si je m'en sors comme ça, franchement. Bon. Je m'en suis sorti comme ça, j'ai de la chance, hein. Je sais pas s'il peut nous voir là. Pitié, dites-moi qu'on peut sortir par là. Oui. Non, ils l'ont fermé. Il y a peut-être un autre chemin. Il y a un passage là. Oui. Je peux aller de l'autre côté, ouvrir la porte. Oh, j'aimerais tellement que tu n'aies pas à faire ça. D'accord, mais faites très attention. T'inquiète pas. Pitié. Allez, on avance. C'est bizarre, il n'y a plus personne là. La porte là-bas. Essayons-la. Stop! Arrête! T'es la plus grosse erreur de notre père! Mais je vais arranger ça. Arrête! Hugo, reste derrière moi. Quoi? Vous êtes qui, vous? On s'est perdu, on s'en va. Mais laissez-le partir. Ça, Rémi? T'es avec ces voleurs? Non, on vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Vous avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. Et me déçois pas, compris? Mais le garçon, il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu chacasses trop. Tiens. Mais ce petit a des facultés un peu bizarres. Hein. Je pense qu'on va on va s'arrêter là-dessus après cette cinématique. On va pas aller plus loin, le but c'est pas de vous spoiler tout le truc. Amicia? Me fais pas de mal. Où on est? J'ai besoin d'aide. Attends. Attends-moi.
Bon. Tu es tout seul ici? Où est Amicia? Non, t'en vas pas. Respire, respire. C'est quand même plutôt bien foutu, hein, c'est bon. On va pas se mentir. Ouais. C'est plutôt pas mal. Je dois Après, on se retrouve en fin de semaine avec Gotham. Enfin, pour Gotham, je ferai sûrement pas une découverte. Je pense que je vais jouer quelques heures avant. Peut-être qu'il sait où elles sont. Oui, elles sont peut-être par ici. On va s'arrêter après cette séquence. Hein. S'en va. C'est grâce à l'eau. Tu m'as sauvée. Merci. Est-ce que je peux revenir? Avec quelqu'un? Bon. Bah écoutez, pour lui c'est plutôt une bonne chose, hein, j'ai envie de vous dire. Tu te réveilles enfin. Tu as bien dormi? J'étais en plein rêve. Où est-ce qu'on est? Tu as encore rêvé de ton île? Oui, j'étais malade et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvée. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Amicia? À la ferme? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais Amicia... On a fait une longue route, Hugo. On est tous fatigués. Mais la ville rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons un grand alchimiste de l'ordre. Tu te rends compte? Ils connaissent très bien la macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyane, avant qu'on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait à nous. Ils sont prêts à nous accueillir maintenant. Bon allez. Eh bien, j'espère que ce sera un bon On va s'arrêter là-dessus. C'est pour cette vidéo, je vous avoue que ça m'a arrangé de pas trop parler, vu l'état de mon nez et de ma gorge. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve dans quelques jours pour Gotham, où on fera une grosse vidéo aussi, je pense. Sur mon peine découverte, je vais peut-être jouer un peu avant.
Je ne sais pas. Et puis, il faudra qu'on parle de 2-3 petits trucs. J'espère que le jeu il va claquer visuellement parce qu'il sera bloqué à 30 FPS. Hein. Ils ont annoncé que c'est parce qu'il y aurait beaucoup de détails et tout. On cherche une fille et un garçon. Donc. Quand il fait exactement? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. R, il faut partir. Maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Le garçon, c'est eux. Viens là. Non, attendez. Chaque fois, je vous dis on va s'arrêter, mais en fait, il se passe des trucs. Ne la laissez pas filer. Je sais que t'es quelque part par là. Entre-toi. Oh, elle est restée dans le chariot. Bon. Allez, cette fois, je m'arrête. Bon, écoutez, on s'arrête là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.